Eh bien bonjour à tous les amis, Sparta Paisan, Spartrice Marseillaise, supporter d'autres clubs, amoureuse, amoureuse du football. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc avant de partir en Belgique, on commente et on est tranquille. 11e journée de championnat de Paris-Marseille. Ça va jouer un très très grand match classico à haute tension demain. Donc voilà, demain c'est obligé de prendre les 3 points. Demain on est obligé de gagner parce que voilà, on doit gagner. Donc voilà, demain c'est victoire obligatoire, obligatoire, franchement, franchement. Parce que demain, on n'a pas d'excuses. Si on fait match nul, on n'a pas d'excuses demain. Donc, demain, on est obligé de gagner. Demain, c'est ça l'objectif. Donc, voilà. Déjà, je parlais de la défense. Donc, voilà la défense. Il faut se réveiller un peu. Voilà, faut pas tacler bêtement. Parce que Mardian s'est fait pénaliser bêtement. Verratti, on s'est pénalisé bêtement. Donc, voilà. Ne tacle pas. Donc, voilà. Faut faire attention. Déjà, voilà. Ensuite, l'intensité. Faut mettre un peu plus d'intensité. Mardi, Paris a mis de l'intensité, mais faut aller, faut faire un peu. Donc voilà. Faut faire attention aussi. Faut bien être précis sur les relances, les passes et tout. Donc voilà, faut faire attention sur ça. Donc c'est ça les petits détails. C'est ça les petits détails à jouer, les passes et tout ça. Donc voilà. Donc voilà, faut faire attention à ça. Donc demain, c'est obligé de prendre les 3 points. Demain, je dis la vérité, demain, on est obligé de prendre les 3 points. Point barre. Donc demain, c'est obligé. Hein, parce que demain, on doit gagner pour qu'on s'éloigne de l'OM. Et demain, c'est à haute tension. C'est le classico à haute tension. Hein. Donc voilà. Faut faire attention. Défensivement, Marquinhos, faut que tu fasses attention, hein, frérot. Je lui dis la vérité, Marquinhos. Fais attention, frérot. Fais attention, frérot. Je te dis la vérité. Fais attention. Moi, je te le dis. Donc, voilà. Faut faire attention. Donc, voilà. Faut commencer un bon match positif parce que la semaine dernière, c'était pas bon. Début match un peu difficile. Contre Benfica, on a mal débuté. On a un peu mal débuté. Défensivement, donc voilà, défensivement, faut se réveiller. Hein. Voilà, ne pas laisser des espaces. Si on a manqué les, faut pas laisser des espaces et tout. Donc voilà. Donc voilà. Offensif, c'est bien. Donc offensif, c'est bien, mais juste Neymar. Neymar, arrête de jouer perso, arrête de jouer perso, arrête de dribbler tout. Parce que vous avez vu la semaine dernière les impacts qu'est-ce qu'il y avait eu. Hein. On s'est fait pris la balle bêtement. Et voilà, donc Neymar arrête de jouer solo. Donc voilà. Il y a juste ça. Donc voilà, faites attention à ça. Là, la composition. Déjà, je vois Donnarumma. Kimpembe n'est pas là. Donc, je vois Mukele, Pereira, Marquinhos. Ah, là, ça va faire quelque chose de grand. Ensuite. Hakimi, Verratti, Vitinha, Bernat, Messi, Mbappé, Neymar. Je pense que Galtier va reprendre son système de 3-4-1-2. Je pense qu'il va refaire. Donc voilà, je pense à ça. Donc voilà, demain, il y a un tas de gagner. Galtier. Oh là là, Galtier. Galtier. Moi, je ne vais pas m'énerver sur Galtier. Galtier, il fait un bon travail pour l'instant. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire, ouais, il fait un mauvais travail. Mais Galtier, tes changements, frérot, ils sont trop, trop, trop tard. Ils sont tard, tes changements, ils sont à la 85e minute. 85e minute pour faire changer un joueur. Non, mais là, c'est abusé, Galtier. Donc voilà, Galtier, fais tes changements tranquilles. Donc voilà. Voilà, fais tes changements tranquilles. Galtier aussi. Voilà, la semaine prochaine, face à Ajaccio, faut que tu fais tourner un peu l'équipe. Là, faut que tu mets l'équipe A. Mais la semaine prochaine, faut faire un petit turnover. Donc voilà. Donc voilà, ouais, je vous ai parlé de tout ça. Là, on va parler sur les rumeurs et tout ça. Et ceux qui disent, ouais, Mbappé va partir. Arrêtez de croire que Mbappé va partir. Il n'y a rien qui est officialisé. Il n'y a rien qui est officialisé. Mbappé n'a rien dit. Hein. Sinon, on aurait dû entendre partout Mbappé allait partir et tout. Pour l'instant, Mbappé n'a rien dit. Hein. Pour l'instant, Mbappé n'a rien dit. Mbappé n'a pas pris une décision de départ. Pour l'instant, il n'y a rien. Mbappé est encore là. Donc voilà, je vous dis la vérité. À tous ceux qui disent, ouais, Mbappé va partir et tout. Mais c'est une rumeur, moi je comprends pas. Donc voilà, moi je suis pas. Voilà. Bon bah voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée. Allez Paris, pronostic,
2 à 1. Je pense que on gagnera avec 2 à 1 demain. Petit pronostic, 2-1 demain. Allez, Paris. Donc voilà, demain, il y a un tas de gagner. C'est obligé de prendre les 3 points. C'est obligé, obligé. On prend les 3 points. Voilà. Mbappé et Neymar, buteur. Allez, Paris. Bonne journée.